Le Pakistan est aujourd'hui tristement connu pour sa loi sur le blasphème qui menace de mort toute personne prononçant des paroles portant atteinte à la religion du pays, l'islam. Les minorités religieuses sont particulièrement visées et vivent chaque jour dans la peur de se faire dénoncer, de se faire accuser injustement, de se faire assassiner. Le matin, ils peuvent se lever libres et le soir se retrouver prisonniers à jamais. Au-delà de ce visage sombre et cruel, il en est un autre que peu connaissent car peu en parlent. Il y a quelques jours, j'ai rencontré ce visage joyeux, cette foi inébranlable qui bouge des montagnes. SOS Chrétien d'Orient vient en aide aux chrétiens pakistanais depuis janvier 2016. Alerté par le père Parvez, curé de Pansara, l'association a noté l'urgence d'intervenir dans les meilleurs délais. Attaché à un propriétaire terrien, les familles pakistanaises vivent dans la servitude de génération en génération. Pour elles, demain sera pareil qu'aujourd'hui. À peine rémunérés, ils vivent dans des conditions misérables. Le projet de leur construire un village autonome a été lancé immédiatement. Et aujourd'hui, nous en voyons les premières réalisations. Des murs de briques qui s'élèvent sommairement vers le ciel, en bordure d'un sentier de terre battue. Des enfants aux habits multicolores gambadent à vive allure entre les chèvres. Des hommes martelant au rythme des tambourins en poils de chèvre et des femmes les accompagnant vocalement sur des airs traditionnels. Accueillis comme des princes, guirlandes de fleurs autour du cou et salutations joyeuses, nous avons fait le tour des projets financés par les donateurs. Au village 412, à 2 heures de Faisalabad, les travaux des 25 maisons promises à Mgr Arshad, évêque de Faisalabad, commanditaire du projet, sont terminés. Symboliquement, ce dernier et Alexandre Goudarzi, responsable développement de l'association, coupent le ruban rouge et blanc barrant l'entrée de cette nouvelle oasis de paix. Les Pakistanais viennent à notre rencontre, nous jettent des pétales de roses pour nous souhaiter la bienvenue, joignent les mains pour nous saluer, échangent quelques mots puis repartent. Oui, ils sont discriminés et peuvent mourir à tout moment, mais ils vivent vraiment chaque instant. Au village du Père Parvez à Pansara, la colonie du Christ Roi, la même euphorie s'empare des sentiers sablonneux. Une légère fumée s'élève annonçant l'arrivée des enfants. Une petite fille timide arbore pourtant fièrement son t-shirt jaune sur lequel est écrit « Happy ». Devant une maison construite par l'association, une mère de famille pose sa main sur des pétales fraîchement glanés avant de me bénir en me les jetant au visage. Leur vie est sommaire comme l'atteste le peu de mobilier intérieur, mais ces maisons sont un luxe qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Ici, ils sont libres et vivants. Cette joie et ces sourires, ils vous les doivent. Mais il en reste tant d'autres qui, encore aujourd'hui, sont prisonniers du temps et de l'espace. Vous pouvez changer cette fatalité et leur permettre de rejoindre cette oasis de paix. Construisez-leur un foyer où ils peuvent vivre ici et maintenant. Faites un don.